Scrutin, nom masculin désignant la façon dont est élu un candidat et auquel on ne comprend jamais rien. C'est que les modes de scrutin, il y en a plusieurs, un peu comme les types de chaussures. Un scrutin peut être uninominal, plurinominal, majoritaire et ou proportionnel. Tout dépend de l'élection à laquelle il correspond. Bref, un scrutin, c'est un peu l'armoire à pompe d'une fille, une tenue, une paire, une élection, un scrutin. Pour les législatives, les députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Ça paraît compliqué, mais c'est aussi simple que de marcher avec des talons hauts. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit recueillir plus de 50% des suffrages et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Parce qu'un député élu avec 5 voix sur 9 votes, c'est comme porter des ballerines avec un legging. C'est moche. Si les électeurs n'ont pas trouvé chaussure à leurs pieds au premier tour parmi les candidats, un deuxième tour est organisé. Les seuls candidats autorisés à rechausser leurs bottes de 7 lieues sont ceux ayant recueilli au moins 12,5% des électeurs inscrits. Au final, la pantoufle de verre va à celui qui a le plus grand nombre de voix. Il n'y a pas à dire, pour être député, il ne suffit pas de savoir mettre un pied devant l'autre. Très bien.